Et yo les amis, c'est NK01 Rider. Du coup, petite présentation, désolé, hein, première vidéo pour moi, pas l'habitude de parler en conduisant, en tout cas pas parler tout seul en conduisant. Petite présentation vite fait de ma personne. Donc, j'ai 28 ans et tout le monde s'en fout en fait. Ce qui vous intéresse si vous êtes là, c'est de savoir sur quoi je roule. Je roule du coup sur une NK01 125. De chez Orcal, petite moto tranquille au bilou, bonne 125, bon bruit d'origine, tranquille, voilà, c'est rien à dire. Avant je voulais en Yamaha SR de 98-97, le jour et la nuit, on passe sur une vieille titine à un truc beaucoup plus une moto beaucoup plus moderne, frein couplé, frein à disque, enfin, bref, une tuerie quand rien que les freins à disque. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai eu quelques galères à des micros, ça fait plusieurs fois que je tourne l'intro, en tout cas la vidéo de présentation de cette vidéo. Et si vous avez des conseils, n'hésitez pas, montage, caméra, je débute, tout comme mon très cher compatriote et meilleur ami que vous avez peut-être déjà vu sur une autre vidéo s'il a posté sa vidéo présentation avant. Donc on gère notre compte Instagram qui est dans la description et nos comptes perso qui sont dans la description. Tous les deux, bon à part nos comptes perso, ça paraît logique. Du coup, n'hésitez pas à les checker. Salut, V à toi. Du coup, vous savez beaucoup du coup. N'hésitez pas si vous avez des astuces de montage, de micro et tout et tout. N'hésitez pas, je suis preneur. Si vous entendez beaucoup trop le son de la moto, pas assez de ma voix, trop de vent parce que je roule souvent en visière ouverte, surtout quand je suis en ville comme ça. Je sais pas du tout où je vais. Donc je laisse. Ouh, joli ça. Très joli. Je laisse mon très cher compatriote vous dire dans sa vidéo de présentation sur quoi il roule, même si du coup, si vous avez lu la description et que vous nous suivez sur Insta, vous savez avec quoi il roule. Petite particularité de notre chaîne, c'est qu'on va rouler ensemble assez le plus fréquemment possible. Et pas forcément faire que des vidéos ensemble. Je m'explique, moi je vais rouler de mon côté et lui du sien aussi. Tout simplement parce qu'on est sur deux régions différentes, lui est en région parisienne et moi dans le Loiret. On va essayer de se trouver un petit spot sympathique. C'est quoi qui claque-claque? D'accord, je sais pas. Ah si, je sais ce qui claque-claque. Un petit spot sympathique, histoire de vous présenter la moto en détail. Oh, cette moto, même pour une 125, hein, c'est le bonheur. Donc il y a une vidéo de la balade, d'une grosse balade et notre première sortie en balade avec d'autres motards du coup, que ce soit lui ou moi. Moi malheureusement avec une manipulation plus que débile de ma part, mais en fait je vous explique, j'ai tout simplement voulu faire un peu de tri dans mon PC et j'ai supprimé toutes mes images et mes vidéos, dont celle de cette balade. Après c'est pas trop grave dans le sens où vous m'entendez pas. Sympa le dit. Ouh, sympa le charger. Le charger. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'espère. Donc voilà, c'est pas trop grave dans ce sens-là. Parce que enfin, j'avais des trucs marrants, mais ce que j'ai là aussi est à l'inverse. Ah. Et clairement, en étant en 125, j'étais tout dernier et tout ça, donc vous n'avez pas loupé grand-chose à ce niveau-là. Et ouais, sinon la plupart du temps on était ensemble, donc oui, non, vous loupez pas grand chose. Je posterai peut-être des bouts de snap que j'avais fait sur notre Instagram. En tout cas, pour cette balade, je voudrais organiser par Play et Vulca. Je voudrais les remercier. Alors, il n'y a pas que qui a organisé ça, hein, mais. La façon dont c'était fait, et je voudrais les remercier déjà pour l'événement, même si ce n'était pas les seuls qu'on fait. Je voudrais remercier justement pour l'événement tous ceux qui ont participé à cet événement et fait cet événement, notamment Play et Vulca. Un spécial merci, un grand merci en tout cas à eux. J'ai fait ma groupie, je leur ai demandé une photo et des conseils, et les mecs super dispo, genre en mode bah vas-y, je prends le selfie et tout ça, donc c'est cool. Franchement, c'est cool. Et ils ont des motos magnifiques. On est en ville, on se calme. Et ouais, du coup, c'était sympa de rouler avec eux.
un groupe super cool en tout cas. Et ouais, donc première balade et des mecs en gros cube. En très très en mode rouler à côté de moi en disant putain elle est belle ta bécane machin. Alors je dis ouais j'ai pas votre puissance et tout, je suis qu'en 125. Et c'était en mode on s'en fout, on est là pour rigoler et tout ça et s'amuser. Et il y a du monde et je vais m'afficher. J'ai vraiment kiffé cet esprit motard, donc je trouvais ça cool. Disons que le voir en vrai de vrai c'est encore plus cool. Du coup je vais pas m'arrêter là. Ça fait poc poc, j'ai chaud sous mon casque. Je suis en une, donc normal que je peux pas me rétrograder une vitesse. On va se trouver un autre petit spot. Tranquillou bilou. J'aime vraiment beaucoup beaucoup le bruit de cette bécane quand même. Je vais fermer le truc. Ah oui, là j'ai trouvé, je sais ce qui clac clac. J'ai pas fermé mon casque. Bravo, bravo, bravo. Oh le pauvre. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Donc on est arrivé à un petit spot plutôt sympathique. Et donc voilà, petit NK01. Full origine hormis les rétros et les poignées. Les poignées, alors je suis troisième propriétaire, donc du coup les poignées ont un peu mangé. Forcément. Alors, un peu mangé là. Et là, voilà, les gens passent, ils doivent se demander ce que je fais. Petit rétro bout de guidon en dessous. Ça, la visibilité que ça a. Hein. Cette gueule avec ce petit compteur là. Oh là là là. Feu classique pas à LED, mais pour l'instant ça va très bien. Cils ultra épuré. Petit hop, cachage de plaque maison. Petit stickers de la team. Et de la chaîne. J'en ai un derrière mon casque aussi. Donc oui. Pot d'origine avec le DB toujours là, donc frein de disque. Du coup, possibilité d'être en deux places, mais clairement, une fois que vous avez vos fesses posées dessus, j'arrive pas à le remonter. Voilà, clairement mieux en une place. Celle d'origine, je crois, ouais. Voilà. Franchement, au top. Et je vais vous la faire écouter quand même. Donc, indicateur de d'essence, rapport engagé, vitesse, contour. Et tout ça en full origine. Et c'est donc sur ce magnifique bruit de cette magnifique moto que je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine
N'hésitez pas à un petit commentaire, petit like, petit abonnement, petit partage. Vous-même, vous savez. Ciao.